Bonjour tout le monde, c'est Kirito de Solarterran France. On se retrouve encore une fois sur Alice in Wonderland Steel pour tenter une dernière fois le portail terre. Comme je vous l'avais dit, si je chopais rien au bout des trois invocations du portail terre, Shinnon, Solus, Asuna, Stasia, nous tenterons une dernière step à 250 parce que les portails terre, comme il y en a eu un peu beaucoup là, ça fera un moment qu'on n'en aura plus du tout. Donc du coup, forcément, il y aura peu de chances que je puisse rattraper un autre personnage terre. Alors le but, ce serait donc du coup de choper une des deux persos, hein, forcément. Et donc, et de faire cette step 2 à 250, malheureusement. Donc du coup, comme je voulais garder cette chose-là, de toute façon, j'ai pas le choix, parce que de base, je voulais faire administrateur, mais comme administrateur est parti, je pensais qu'elle allait rester un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas grave. Je vais devoir donc faire du coup les 250 sur ce portail-là. Et donc, j'espère qu'on aura plus de chance que sur les deux rate-up. Bon, même si on a eu de la chance en soi, parce que j'ai eu les 4 étoiles, mais le problème c'est que ça n'a jamais été les bonnes 4 étoiles. Et sur le dernier step, enfin le dernier pick-up sur Shinnon, on n'a rien eu. On a eu l'animation troll, on avait la demi-nuit, et ça n'a pas été vraiment concluant parce qu'on a eu que du 3 étoiles et 2 étoiles. Donc j'espère que sur cette multi-invocation, qui sera donc vraiment la dernière que je ferai, parce qu'après le reste, il faut que je le garde pour un portail suivant, autrement j'aurai rien pour le portail suivant, quoique j'ai encore le ranking à faire, parce que je ne l'ai pas encore fait, pour faire la prochaine multi-invocation forcément. Donc c'est parti, on y va. Allez, tirage à 250. Go! Allez, hein, celle-là j'y crois. Ça serait cool d'en avoir une des deux. Au moins une des deux. Oui! Le toucher écran est violet. Il y a une 4 étoiles. On se rattrape sur la multi à 250 déjà par rapport à la dernière multi qu'on a fait sur le portail de Shinnon. En espérant que maintenant ce soit un 4 étoiles du portail. Voilà, l'arc-en-ciel directement. Nickel. La nuit. Super. Une lumière violette, voilà, maintenant à voir si c'est un bon personnage, si c'est le portail, enfin les personnages de portail, ou si c'est un doublon ou quoi que ce soit. Allez! Que du 2 étoiles pour l'instant. Mais bon, on est sûr d'avoir une 4 étoiles, donc ça va bien arriver. Yuki 3 étoiles, ok. 1. 2 étoiles encore, du coup, oui. Encore un 2 étoiles, ça va arriver juste à la fin, juste pour me dire, bah voilà, t'es à 4 étoiles. Ah, c'est ici. Attention. Oh, bon, c'est un personnage terre, mais c'est pas le personnage du portail, c'est la deuxième Alistair. Donc, on aura les deux Alistair maintenant. Bon, c'est un nouveau personnage terre. Je voulais un personnage terre, j'en ai eu un. Mais bon, c'est pas le personnage terre. En plus, j'ai une arme, c'est vrai, j'ai trois armes d'Alice, donc du coup. Ok, bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que ça va m'en cacher un autre personnage ou pas? Ok, bon. Est-ce qu'il y a un autre personnage qui se cache derrière ou pas? J'aurais bien voulu quand même avoir un personnage du portail, mais bon. 3 étoiles, 2 étoiles. 3 étoiles. Ouais, je pense qu'il n'y aura que celui-là. Voilà, bon. Bah, c'est pas grave. En soi, ça me fait un troisième personnage terre, donc je pense que ce sera suffisant, même si tant pis, j'aurais pas eu un personnage du portail, mais un autre personnage, ça reste toujours une 4 étoiles, donc c'est pas mal. Voilà, donc du coup, je vous laisse là, c'était Kirito, et je vous retrouverai donc du coup à une prochaine vidéo, prochainement, qui sera donc probablement sur SAO MD cette fois, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un nouveau portail de sortie, donc il suffira que je puisse faire tous les Memory Jammin à récupérer pour pouvoir faire cette invocation. Voilà, allez, à la prochaine vidéo. Salut, salut!